nous allons faire une recette de savon vraiment pas comme les autres. On va mettre de la purée de banane. Je vais vous montrer comment on va rajouter des additifs dans un savon. Parlons maintenant des jus et des purées de fruits et de légumes dans les savons. Alors moi, j'adore mettre des plantes dans les savons. En plus, tout ce qui va apporter du sucre, donc les jus de fruits en particulier, les purées de fruits, vont venir gonfler la mousse. Donc, c'est quelque chose de très agréable dans un savon. Par contre, vous le savez maintenant, c'est un gros challenge puisque l'apport de sucre risque de faire déborder, brûler votre savon. Donc, il faut vraiment contrôler la température. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de la banane. Donc, j'ai préparé une purée de banane. Voilà, j'ai juste mixé rapidement une banane bien mûre et je l'ai diluée dans du lait de soja. Je vous donnerai les quantités exactes. Donc, là, j'ai un genre de milkshake en fait végétal avec du lait de soja, de la purée de banane. Et ça, je vais l'ajouter à la trace dans ma pâte à savon. J'aurais pu choisir de congeler au préalable, mais je vais faire comme dans ma recette de miel et lait en fait. Je vais le faire à la trace et on va rester avec une basse en température. Donc on va garder nos huiles et notre soude en dessous de 40 degrés. C'est le moment de découvrir à quoi il ressemble vu de l'intérieur. On a bien les différentes couleurs qui restent très claires et on voit nettement la partie colorée avec le paprika qui donne des petits points colorés un petit peu plus foncés. Ce savon va maintenant sécher pendant 4 à 6 semaines avant de pouvoir être utilisé. Vous trouverez sous la vidéo le lien vers l'article complet qui reprend toutes les étapes de cette recette pas à pas ainsi que la liste complète des ingrédients. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, et puis surtout n'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement le guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite!